Hey, salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du WT de Crash Bandicoot. Et donc c'est reparti pour les speedruns. Donc la dernière fois, voilà, on est allé dans ce niveau là pour récupérer la gemme des caisses et la gemme du passage. Donc on va le refaire, donc il faut qu'on ait un temps de référence de 1 minute 33. Donc on va le refaire en speedrun, sachant que l'objectif, comme d'habitude, récupérer la relique directement en or, histoire de ne pas avoir à refaire le niveau, n'est-ce pas? Voilà, on va essayer d'éviter ces saloperies de poissons, parce que c'est une vraie saloperie. Aïe aïe aïe, et voilà, c'est exactement ça que je veux éviter, parce qu'ils vont nous faire perdre énormément de temps. Hop, voilà, tac, ok, ça passe pour l'instant. Notre ami le dino, hop, on récupère les caisses de temps. Donc 1.33 en temps de référence, ça devrait le faire. Le niveau est pas super long, mais comme vous avez pu le voir, notamment avec les petits poissons, on n'est pas à l'abri de fail. Allez hop, récupère tout ça, super. Là aussi ça passe. Oh, hop, c'est bon, ça passe. Allez, on va pas perdre de temps. Ok, c'est bon, j'ai réussi à avoir les secondes très précieuses qu'il y avait au-dessus. Allez, double masque, donc c'est plutôt pas mal. Alors ici, concernant les caisses de temps, le but c'est d'être le plus concentré possible sur le chemin, parce que le dinosaure vous casse les caisses à votre place. Donc il n'y a pas trop à stresser à ce niveau-là. Boum ! 1-0-1, 84. Ah, je l'ai même eu en platine, tiens. Wow. Bah écoutez, première relique en platine, ça fait plutôt plaisir. Pourtant, il y a eu quelques erreurs, mais voilà. Allez, bon, ça commence bien l'épisode, il commence très très bien. Allez, elle est belle cette relique. Elle est belle. Première relique en platine, on met ça de côté. Mais c'est vrai qu'elle est super jolie, hein, parce que bah, les niveaux, on les a tous fait ensemble lors du WT. Mais voilà quoi, speedrun, pas du tout travaillé, réussir à avoir la relique en platine, one shot, ça fait plaisir. Et donc on enchaîne avec le niveau sous l'eau, hein, donc 1 minute 47 en temps de référence. Niveau et environnement que j'affectionne vraiment pas du tout, mais il n'y a pas le choix, il faut le faire. Donc bah, ce qu'il faut retenir, hein, c'est du carré et du rond pour accélérer. Pas trop le choix. Bien naturellement, on va essayer de ne pas rater deux caisses, en tout cas le moins possible, histoire de récupérer le plus de secondes possible qui vont nous aider. Tiens, ici il y en a. Eh ben, je l'ai raté. Hop, super. Donc là, j'ai raté 2 secondes déjà, donc c'est précieux quand même, mais bon. Si la suite du niveau se passe bien, on sait jamais, hein, peut-être que... Allez, je me bloque. Alors, on récupère tout ça, s'il te plaît. Voilà, on va éviter de se rebloquer ici, s'il te plaît, Crash. Eh ben non, je me fais toucher par la petite poiscaille. Ah là 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 là. Allez, c'est pas grave. Allez, ici, on va pas perdre de temps, on va sacrifier un masque. Bah ici aussi, on va le sacrifier, hein. Tant pis, hein. Tant pis, tant pis, je pense que ça nous permet d'économiser un temps précieux plutôt que... Hop, 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 c'était chaud. Plutôt que d'attendre. Allez, mon bateau. Mon petit sous-marin. Hop, 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 hop. Ah, il y avait 3 secondes. Oh là là, j'ai raté 3 secondes. Allez, tire. Oh. Tu peux le faire, Crash, tu peux. Allez, dépêche-toi. Alors, ça donne quoi? Yes! Oh là 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 là. Il y a quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de conneries de faites. Mais le travail est fait. Ouh. Allez, niveau suivant. Waouh! Et c'est parti! Pouf! Ok,
Bon, une relique de plus en stock, c'est une très bonne chose. Il nous reste du coup les niveaux 14, enfin les niveaux 13 et les niveaux 14 à faire en speedrun. Alors sur ce niveau-là, temps de référence de 2 minutes 12, ce qui paraît beaucoup comparé aux autres niveaux. Par contre, de mémoire, je crois qu'il est vraiment pas des plus simples. Écoutez, on va voir ce que ça va donner. Hein. On va voir ce que ça va donner. On va déjà faire un petit peu de nettoyage au niveau des caisses ici. Prêt à enclencher le chronomètre. Au taquet, dans les starting blocks. Et c'est parti, mon ami Crash. Allez, let's go. Aïe. Bon, petit fail. Allez, c'est pas trop grave, j'ai perdu du temps. Je préfère me lancer dans le vide et recommencer. Ça peut arriver de temps en temps, un petit fail, écoutez. Allez, c'est reparti. Cette fois-ci, c'est la bonne, les amis. Ou pas. Allez, on refait la même chose. Alors, on nettoie ça. C'est parti. Oh, j'ai perdu un petit peu de temps. Voilà, c'est bon, j'ai quand même réussi à passer. Ok, ça passe. Allez, accroche-toi. Ok, c'est parfait. Allez, tiens, on récupère les 3 petites secondes ici. Le scorpion, non merci. Allez, la tornade de l'infini et au-delà. La balayette aussi. Oula. Ça a été un petit peu tumultueux ici, là, dis donc. Paf, paf. Et paf. Voilà, ne tombe pas, mon ami. Non, ne te bloque pas non plus. Sinon, je ne vais pas aller loin. Voilà, on récupère tout ça. On s'accroche. 3 secondes. Allez, oui, tu peux le faire. 1-0-1-84. Yes! Alléluia, les amis. Et voilà, c'est fait. Ça fait du bien parce que, alors là, je suis en sueur. Allez, ouais, sors de là, Crash, s'il te plaît. Sors de ce niveau. Voilà. Bon, 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 bon. Bon, bah écoutez, je vous présente le speedrun qui m'a donné le plus de fil à retordre depuis le début du WT. Yeah. Bon, écoutez, en toute honnêteté, j'ai quand même eu quelques fails sur ce niveau-là. C'est le speedrun qui m'a donné le plus de fil à retordre, donc on verra hein, si... S'il y a une ou deux séquences de marrantes et si ça vaut vraiment le coup, je vous ferai peut-être une petite séquence bonus à la fin de l'épisode, on verra ça. En tout cas, passons à autre chose, et donc le dernier speedrun de cette Warp Room, avec ce niveau-là et un temps de référence de 1 minute 25. Donc on va pouvoir récupérer notre belle bécane. Et écoutez, pas de recette miracle pour ce niveau, ne surtout pas rater de caisse de temps, ne pas aller dans le décor bien évidemment. Et si je peux vous donner un seul et unique conseil, fuyez tous les concurrents comme la peste. J'ai pas d'autres mots à ajouter. C'est une vraie saloperie. Hop, allez, on va déjà commencer par récupérer toutes les caisses de temps, hein, bien comme il faut. Mais tous les concurrents, c'est la peste. Voilà, surtout ne pas les toucher. Dès que vous allez les frôler un tout petit peu, alors ça dépend, les collisions sont relativement mal gérées. Mais si vous les touchez un tout petit peu sur le côté, vous vous retrouvez tout simplement éjecté dans le décor, à 2 mètres, oui, oui. Oui, oui, c'est normal, hein, écoutez. Hein. Donc on va éviter bien tout ça correctement. Voilà, pour éviter de perdre du temps. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. C'est vrai que je les ai pas touchés et j'ai récupéré quand même pas mal de caisses de temps. Maintenant, c'est pas terminé. Un speedrun, le plus compliqué, c'est d'être constant. C'est de réussir les trucs jusqu'à la fin. Tiens, d'ailleurs, paf, là, j'ai perdu un peu de temps. Donc ça peut aller vite. Ça peut aller très très vite, malheureusement, ça peut vite être préjudiciable, donc on va essayer quand même de se concentrer jusqu'au bout. Alors attention à ici, non, le pas le toucher, sauf que je l'ai quand même touché, il m'a fait perdre quand même un peu de temps. Allez, il faut que je le regratte, il faut que je le regratte, oh là 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 là. Bon, ici j'aurais pu prendre un accélérateur, malheureusement, qui est raté. Allez, on baisse pas les bras, c'est pas grave. Je l'ai pas touché, j'aurais pu perdre beaucoup plus de temps que ça. Donc ce qu'il faut se dire, faut voir le côté positif de la chose. Il m'a touché un tout petit peu, mais j'ai réussi à passer sans trop de dégâts.
Voilà ce qu'il faut se dire. Il faut positiver. Aïe 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 aïe. Lui par contre, il m'a touché. Voilà, m'embête pas s'il te plaît. Hop là, vas-y, tu peux le faire. Une 20-36, qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Oh yes. Oh aïe 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 aïe. Bon, ça, ça fait plaisir. Alors j'ai eu quelques petites erreurs, hein. Elles étaient visibles assez facilement. Mais écoutez, c'est passé. Et on a enfin débloqué un nouveau niveau. Pouh. Allez, zou, l'écran bleu, t'es moche. Voilà, les écrans buggés, on n'en veut pas. En tout cas, bon, sortons de cette warp room qui m'a donné du fil à retordre. Je ne veux plus en entendre parler. Et écoutez, hop, direction les souterrains avec un nouveau niveau de débloqué. Du coup, vu qu'on est arrivé à, bah, à 15 reliques, hein, tout pile. Ça va nous permettre de débloquer le niveau 28. Que voici avec une gemme des caisses à récupérer, une autre gemme pour la première place. Donc vu la difficulté de ces niveaux ici, on va essayer de faire quand même les choses par étapes et dans l'ordre. Je pense que c'est compliqué de réussir à faire les deux en même temps. Donc on va y aller tranquillement. En plus on est en pleine nuit, donc c'est quand même pas ce qu'il y a de plus simple. Hop, alors combien de caisses il y a à récupérer? 24 caisses, très bien. Ah, j'en ai vu une là, elle est là. Donc on va essayer de forcément de ne pas en rater une seule, hein, parce que notre but c'est de récupérer la gemme correspondante. On évite la soucoupe volante, les voitures de flics en contresens, ou nous en contresens, je sais pas, mais bon. Écoutez, hein, c'est particulier, hein. Peut-être que c'est nous du coup les délinquants, hein. On est sur la route en contresens, on s'en fout. Alors, paf, ici, tiens, il y a une caisse en haut. Boum. Ok, donc c'est parfait. Pour l'instant, on arrive à tout récupérer. Encore une voiture de flic. Une deuxième. Ah bah, c'est du joli tout ça. Bravo. C'est un bon exemple. Je vous félicite pas. Oup, 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 oup. Bon, j'ai failli rater cette caisse-là. Oh, c'est bon. Celle-ci, je l'ai eue. Hop, la voiture de flic, je l'ai pas eue. Et heureusement. On va quand même essayer de faire attention parce que... Voilà. Je veux pas rater ça. On est à combien? On est à 10 sur 24. Donc on n'est pas encore à la moitié. Ça y est, on vient de dépasser la moitié. Donc on va essayer de faire attention quand même. De pas aller trop vite. Parce que bon, voilà, j'ai quand même peur en allant beaucoup trop vite de rater les caisses. Ce que je ne veux pas. Ok, ici il y a une rampe. Hop là. On a failli retomber sur la voiture de flic. Rien de choquant, normal. Les petites caisses. Petite caisse, vous êtes où? Hop, 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 hop. Le flic, on évite. Merci. Hop là, celle-ci, j'ai failli la rater, dis donc. Ok, 16 sur 24. Donc on est plutôt bien. Je pense qu'on n'est plus trop loin de la fin du niveau. Je vais quand même faire attention parce que c'est un coup à rater les dernières caisses. Et pour l'instant, on est bien parti. Donc évitons les fails à un moment critique du niveau comme celui-ci. Ah yes, une petite caisse. Allez, tu roules mon crash. Ah, une rampe, j'aurais peut-être dû la prendre. Oui, j'aurais dû la prendre. Écoutez, c'est pas grave. J'aurais dû la prendre, sauf que là, ce qui m'intéresse, c'est ça. Oula, il y en a là aussi. Voilà. Ah, bah voilà qui fait du bien. Voilà qui fait du bien, une belle gemme de récupérer. Next. Merci monsieur, c'est parfait. Allez hop, écoutez, on va attaquer, on rattaque le même niveau, hein. On va cette fois-ci chercher la gemme de la première place. Donc on va se concentrer sur nos trajectoires et les accélérateurs. On va pas du tout s'occuper des caisses. Ça va nous faire du bien ça, ça change un petit peu. Allez, c'est parti sur ma belle bécane. Yeah. Alors déjà il y en a une dans le collimateur. On va pas la laisser s'échapper comme ça. Alors par où tu passes toi? Hop hop hop, voilà. Nickel, écoutez, ça y est, on a réussi à gratter une place. On est sixième. Maintenant, next, il nous faut
dépasser la soucoupe qu'on voit au loin. Elle est pas très loin justement, donc c'est parti. Tiens, un accélérateur. Ça va nous faire du bien ça. Voilà, laisse-moi passer. Parfait. Ok, bon, pour l'instant, on est sur le bon chemin. Cinquième position. Allez, allez, hop là. C'est parfait. Allez, toi. Ouf, tu vas pas m'embêter. Ah bah si. Si, si, elle m'a embêté. Elle m'a mis un petit coup. C'était pas très fair play tout ça. Mais écoutez, c'est pas trop grave. Aïe, on n'est pas rancunier. On va aller bouffer la nouvelle soucoupe et prendre la troisième place. Il y a une voiture de police en face. Laisse-moi passer. Voilà, troisième place. Allez, c'est parti. On continue. On va les faire un par un. On va leur apprendre le respect. Aïe. Dis donc, j'ai eu de la chance sur ce coup-là. J'ai eu de la chance. Je pensais que j'allais tomber. Je suis passé à côté de la rampe. Il y a eu un comportement un petit peu bizarre, en toute honnêteté. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. Voilà, la prochaine étape. Elle est juste en face de nous. Allez. Allez. On va réussir à te bouffer ou bien? Voilà. La deuxième place acquise. Un petit coup de speed. Bon, parfait. Il ne nous reste plus qu'une seule soucoupe à manger tout cru. Et boum! Voilà. La première place en poche. Ah bah oui, tu peux être fier et tu peux être content de toi, Crash, parce qu'elle fait du bien, celle-ci. Hein. Elle fait du bien. Et puis en plus, ça change un petit peu de toutes ces phases de speedrun, donc c'est une très bonne chose. Voilà. Allez, on met les voiles de cette Warp Room. On verra le reste plus tard. Youhou! Parfait, mon petit Crash Bandicoot. Et écoutez, je regarde quelque chose. 1, 2, 3. Donc ça, c'est les trois premières Warp Room que l'on a faites. Et alors je regarde en termes de timing, on va être un petit peu short quand même pour faire autre chose. En tout cas, voilà ce qui nous attend un petit peu, Sphinxinator. Oh là là, celui-là avec les ballons dirigeables, il me fait pas rêver. Celui-ci dans l'eau, il me fait pas rêver non plus. Celui-ci, à mon avis, va être compliqué. Et celui-ci aussi, bon. Il y a du taf qui nous attend. Il y a beaucoup de taf. Écoutez, les amis, on va se quitter là-dessus. Donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Donc déjà, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, des commentaires aussi. Hein, je les lis tous, hein, ça va, j'en ai pas non plus 50. Donc je prends le temps de lire les commentaires et de répondre. N'hésitez pas donc à partager aussi l'épisode. Et puis écoutez, je vous dis peut-être à tout de suite pour une séquence bonus si j'ai quelque chose d'exploitable. Sinon, je vous dis à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao! Ok, allez. Cette fois-ci, c'est la bonne, les amis. Hop. On enclenche le chronomètre. On est beau, on est chaud, on est au taquet. On est en train de craquer psychologiquement. Ouh là là, c'est bon, ça passe. Allez, on récupère tout ça. On fait une razzia. Et je perds un masque. C'est pas la peine de continuer. Allez, let's go. On nettoie les caisses ici. Boum, on enclenche le chronomètre. Hop là, parfait. Allez, on récupère tout ça. Le tapis volant, il est là. Ok, ça passe. Allez, on nettoie les caisses. Prêt à enclencher le speedrun. Je suis au taquet. Allez, lance ton cocktail Molotov, voilà. Prêt? C'est parti les amis! Youhou! J'ai raté! Youhou!